Je voulais raconter l'histoire de ce pays-là, à travers de mon histoire. On oublie les femmes souvent, qui se sont battues pour avoir ce pays libre et exister en tant qu'humain. Tout le temps, les Nations Unies, ils étaient là pour nous aider, pour avancer. Par contre, ils ne nous ont jamais demandé pourquoi on veut se séparer Somalie. Avant tout, c'était le peuple somalilandais qui vit en paix. Et à partir de ce jour-là qu'on a décidé qu'on se sépare Somalie, notre peuple, ils sont revenus en Somaliland. Et jusqu'à maintenant, ils vivent en paix. Et c'est la plus grande réussite qu'on a eue. La première fois qu'on a chanté l'endroit libre, c'était à Berbera le 31 janvier 1991 avec Abdinasir. C'était pas prévu avant que coupe Somalie en deux. Et c'est nous, en tant que Somalilandais, qui sont été rejoindre Somalie pour dire qu'on essaie de chercher Grand Somalie, mais c'était pas possible. Pourquoi alors on a décidé de se séparer Somalie ou reprendre notre indépendance deuxième fois? Parce qu'il y a eu la guerre. Grâce à des artistes français, Maël et Aymeric, j'ai continué la vie artistique. Et avant de rentrer en Somaliland, on avait décidé ensemble d'enregistrer un album. C'est pour ça qu'on a donné le nom de l'album Francisque Somaliland. Parfois, il ne faut pas mettre la faute sur les Nations Unies ou sur les Somalis. Parfois, il faut se poser des questions soi-même. Et Somaliland, elle devrait se poser en question, dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est toujours là? Le point de départ. Somaliland, tel qu'il est, Somaliland.